Zami mwen mwen sayo, mse Jean-Marc Désiré. E mpote yon meditasyon ki pou yedou nan mouman sa. Mble parle konsenan le trois assurances de la vie chrétienne. Les trois assurances de la vie chrétienne. Nan viv nan yon mouman kote ke moun bezwen assurance. Assurance, surtout nan mouman kote ke la peur envahit les cœurs avec l'épidémie du coronavirus. Et ki tourne en pandémie d'ailleurs. Mais toutefois, et moun ki kwen nan Jésus, yo pas capable expérimenter peur tant qu'au monde qui pas gain Jésus. Et raison c'est parce que si toutefois Dieu nous ferme sous terre de toutes les façons, nous pas l'ouvrir dans les bras du Seigneur. Et dans moment ça petit bon Dieu, monde qui connaît l'église yo, monde qui dit gain cet esprit yo, monde qui dit croit en Jésus yo, monde qui dit c'est dans ciel yo pour aller. Moment arrivé pour nous faire tout le monde connaît, c'était pour tout le monde t'a parlé, l'aime qu'on dit ça. Il est vrai que non bitant en pandémie, faut nous faire des faut écouter recommandations autorité yo, faut faire prévention, faut prendre précaution, mais toujours est-il, il faut que nous kembe assurance non, que nous gagne dans bon Dieu. Les trois assurances de la vie chrétienne, nous venons dans Romains chapitre 8, dans verset 1, l'apôtre Paul dit premièrement, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la première assurance qu'un chrétien a. Pas de condamnation pour nous. Pas de condamnation pour nous. Pour les gens qui sont en Jésus-Christ, pas de mal pour nous. Même si quand nous avons détruit par rapport à la terre, nous avons l'ouvrir, Dieu nous a l'ouvrir dans les bras du Seigneur. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxième assurance que nous gagnons, toujours dans Romains 8, nous disons ça dans verset 33, Romains 8, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et puis il dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On est, il y aurait les Satan, l'accusateur des frères, et les accuser nous auprès de Dieu. Nous, c'est pécheurs. Là, il y a un pile barré pour l'accuser, non. Mais deuxième assurance que nous gagnons, non seulement nous assurer contre condamnation, mais nous assurer contre accusation. Pas gagner aucun moyen de rien capable de joindre. Pas gagner rien capable de joindre pour joindre et pour lui accuser, nous par devant le trône de Dieu. Parce que, il n'y a pas gagné cause là, parce que Christ mourit pour nous-mêmes. Christ est mort, Bible a dit. Bien plus, il est ressuscité. Et c'est nous assurer contre condamnation, nous assurer contre accusation. Et même plus grosse assurance là. Nous assurer contre séparation. Pas grand rien qui est capable de séparer nous de bon Dieu. L'idée dans verset 35, Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et puis il dit dans verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé. Et puis mes paroles là, il dit car j'ai l'assurance, assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais pour qui raison, dans le moment que nous avons traversé, chrétien et doué, fait tout le monde qui n'a pas d'espérance, qu'on est que nous différents. Ça que nous différents, nous avons assurance dans Christ là. Nous avons assurance contre condamnation. Nous avons assurance contre accusation. Nous avons assurance contre séparation. Pas grand-rien qui est capable de séparer nous à Christ. Même si Dieu nous a fermé sous terre, nous avons l'ouvrir dans les bras du Seigneur. Et mes questions, moi, pour même capoté, vous avez assurance. On ne va pas parler de assurance de vie et de mort. On ne va pas parler de assurance santé. On va parler de assurance ciel. Si vous avez besoin d'assurance ciel là, pour que pas de condamnation qui plane sous, pas d'accusation, pas de séparation, croyez en Jésus. C'est lui qui assure la vie éternelle, la vie divine en nous. Nom c'est Jean-Marc Désiré, que mon Dieu bénisse.